des choses qui sont nécessaires pour la paix et pour la défense commune. Parmi celles que l'on a coutume de proposer, de traiter et de résoudre dans les assemblées, où la plus grande voix formée, une compression générale, que chacun soit tellement à couvert de la violence des autres, qu'il puisse vivre en repos et sans être en crainte perpétuelle lorsqu'il ne fera tort à personne. À la vérité, il est impossible, et on ne met point aussi en délibération, de protéger les hommes contre toutes sortes d'injustices qu'ils se peuvent faire les uns aux autres. Car on ne serait empêché qu'ils ne s'entrebattent quelquefois et ne s'entretuent. On ne peut mettre si bon ordre qu'il n'y ait pas sujet de craindre que cela arrive. La sûreté publique est l'affaire pour laquelle les hommes se soumettent les uns aux autres. Et si on est là, trouve, on ne doit pas supposer qu'une personne ne soit soumise, ni qu'elle ait renoncé au droit de se défendre. Comme bon lui semblera, on ne doit pas donc pas s'imaginer que quelqu'un ne soit obligé à un autre, ni qu'il ait quitté son droit sur toute chose avant qu'on ait pourvu à sa sûreté et qu'on l'ait délivré de tout sujet. Il ne suffit pas pour avoir cette assurance que chacun de ceux qui doivent s'unir comme citoyens d'une même vie promette à son voisin des paroles ou pas écrites qu'il gardera les lois contre les meurtres et autres semblables. Car qui est-ce qui ne connaît la malignité des hommes qui n'est pas au courant, où la plus grande voix formée une compression générale, que chacun soit tellement à couvert de la violence, des autres. Et qui n'a fait quelque fâcheuse expérience du peu qu'il y a à se fier à leurs promesses. On s'en rapporte où la plus grande voix formée à leur conscience une compression. Et quand ils ne sont générales pas retenus, que chacun soit tellement à couvert dans leur devoir de la violence, pas l'appréhension des autres de quelque peine. Il faut donc pouvoir à la sûreté par la punition et non par le seul lien des pactes et des contrats. Où la plus grande voix formée, oh, on a usé une compression une assez grande possession lorsqu'il y a de telles chers soit tellement aux affaires de manifestement de la violence on a coup des autres un plus grand mal par la transgression de la loi.